Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. On en est à l'épisode 9, on s'en était plutôt pas trop mal sorti dans l'épisode 8, hein, soyons honnêtes. J'ai d'ailleurs lu tous vos commentaires comme chaque épisode et il s'avère qu'apparemment j'étais passé à côté d'un petit trésor derrière le tableau de Lord Saddler et effectivement, 3 lingots. C'est clairement pas négligeable, donc merci à vous 5000 pesetas, c'est plutôt worth, je serais passé à côté sans vos incroyables commentaires, donc un grand merci à vous, comme quoi on peut pas se souvenir de tout, évidemment, et vous êtes très utile hein, au final, vous êtes super utile. Alors, on va se pointer devant la porte, ah oui, je m'étais d'ailleurs arrêté ici, parce qu'il me semblait que, vu la taille de la salle... Ça allait pas être évident. Oui, ça allait pas être évident. À noter que j'ai encore ouvert la carte. Je n'ouvrirai jamais avec le bouton triangle. Je vous l'avais dit lors du précédent épisode. Donc, ok, cette salle était juste gigantesque. Il me semble que c'était une phase au sniper. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. On va s'équiper du snipe par pure précaution. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère m'en sortir. Il y a une cinématique ou pas? C'est possible, hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de cinématique. Ok, donc ça, on l'arrache, histoire que je nous laisse tranquille. Ah. Ok, là, on n'est pas bien. Là, on n'est clairement pas bien. Viens, hache. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai préféré, sur le coup, attaquer les deux mecs en haut parce que c'est des arbalètes. C'est pas super worth. Voilà. C'est plutôt, plutôt cool. On s'est débarrassé des deux boucliers. Hop. C'est comme ça qu'il faut faire. Hache. Oh, oh putain, hache. La mort ne voulait pas de toi. Hop. Dégage de là. Je t'aurais bien tapé un petit suplex au calme. Ah. Hache. Lâche-la. Putain! H! T'es pas bien! Laisse-toi H! Quoi? Quand même! T'as pris une petite Michel, t'as pris une petite balle à terre? D'accord, c'est pas fini! D'accord! 4! Oh, ça c'est chiant ça! Oh putain, c'est genre vraiment pas fini en plus! C'est genre réellement pas fini! Ok les gars, alors attendez! Voilà! Toi t'es mignon, mais t'es un petit breton, hein, comme on disait. À l'école? Ok, on va pouvoir... C'est pas évident, cette phase-là, elle est assez compliquée. Hein. Y'a pas un mec derrière moi, là, d'ailleurs? Non, tu vas pas me bouffer. Ah oh, bah, t'es bon. La vie libre. Ok, non, y'a personne. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais pas du tout. Ok, les gars, pourquoi, par hasard... Hein, on va pas tergiverser. Je peux en faire 4 d'un coup. C'est le beau jeu. On vise le beau jeu. Allez, ça dégage. C'est terminé, là. Ok, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas... Vous auriez pu donner quelques munitions. Je sais bien que je suis plutôt bien dans le game, mais quand même. Ok, me semble que c'est fini. Bon, on va casser toutes les jarres. Ah non, c'est pas fini, j'entends quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Messieurs? Messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, j'avais souvenir, tiens, petite anecdote. J'avais souvenir que la toute première fois que j'avais fait ce Resident Evil 4, c'était sur GameCube chez un pote. J'étais totalement fan de Resident Evil. Et à l'époque, c'était une exclusivité GameCube. Il n'était pas prévu sur PlayStation 2 et Xbox. Parce qu'après, il est sorti sur Xbox 360 et tout. Et donc, j'avais... Oh, bah, t'es là. Et donc, j'avais littéralement la rage, hein, j'avais la mort. J'avais trop kiffé. Et la première fois que j'ai joué... Ah, j'entends sur ma droite, c'est trop chelou. Mais gros! Oh putain! Ils sont relous à murmurer. Et donc ouais, la première fois que j'ai joué à ce Resident Evil, c'était dans cette église. Et je me suis dit, mais ce jeu est totalement fou. Ce jeu est totalement dingue. Il est incroyable. Oh ça c'est chiant ça par contre. Et j'avais surkiffé. Mais j'étais très très jeune. En plus je venais de... Quand on est jeune les gars, il n'y a pas de difficulté dans un jeu. Même le jeu le plus dur, Ghost and Goblin, etc. Resident Evil 1... qui est hyper dur hein, pour quelqu'un qui a 8-9 ans, bah on le terminait parce que bah, on pouvait s'acheter qu'un jeu dans l'année et forcément on passait notre vie dessus jusqu'à trouver les meilleures techniques, les techniques les plus worth. Bref, et donc sur Resident Evil 4, je l'avais fait, j'étais très très jeune et il était quand même assez compliqué.
J'avais souvenir que je cassais les jarres, mais je ne fouillais pas dans les meubles, je ne fouillais nulle part. Et j'avais acheté le guide officiel complet. Je vous raconte toute ma vie parce qu'elle est incroyable. Et j'avais acheté le guide officiel complet, n'est-ce pas? Et grâce à ça, c'est la première fois que j'avais fait un jeu à quasi 100% grâce au guide officiel. Au moindre trésor, je passais à côté de rien. Et c'était ma première expérience avec des guides officiels complets. Tout ça pour vous dire qu'au final, bah, c'est super cool un guide officiel complet. Ok. Oh, ah, je t'ai fait comme ça. Ensuite, y va. Couteau. 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 Voilà. Et là, il a mal. Il a mal. Cette petite saloperie. Ok, on s'en est plutôt bien sorti. Alors, il y a quelque chose à faire dans cette pièce. Il n'y a pas de trésor, là. Ce serait étonnant, d'ailleurs. Ça serait étonnant qu'il n'y ait pas de trésor. On va appuyer tout de suite sur la touche menu et non la touche triangle. Et non, il n'y a pas de trésor dans cette pièce. D'accord, on continue. Donc, direction la pièce suivante ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Un trou. Ne tombe pas là-dedans, Ashley. J'ai pas envie de te retrouver en plusieurs morceaux. Ok, direction la pièce suivante, il n'y a rien à faire. Par contre, là, est-ce qu'il va y avoir un bruit dans le terre-terre? Munition de fusil à pompe. Il est peut-être temps de recharger toutes ses armes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir une baisse de FPS quand je vais recharger le sniper. Comme quoi, le remaster HD est plutôt bien fait. Mais regardez, vous avez vu? C'est dégueulasse l'animation, c'est pas fluide. Et dès que c'est fini de recharger, étrangement, ça repart à un bon rythme de FPS. Ok, il y a une herbe. C'est cool, je prends. Ça, je dis pas non. Ok. Wait. Ok. On est incroyable. On était incroyable. Ashley, sur le coup, on a été un incroyable duo. Allez, viens, ma soeur. Qu'est-ce que... C'est noir. C'est noir de ténèbres. Wesh! Oh, c'est quoi ces conneries? On est de retour. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est? Gros! J'ai pris un coup de mal. J'ai même pas le temps de savoir où j'habite. Ok. Allez, hey, on réutilise. C'est fait pour. Alors là, je sais pas trop quoi utiliser. Il me reste 20 balles quand même. Ne soyons pas radins. Alors, hop, petite baisse de FPS parce que je le vaux bien. Ok, on va récupérer le pistolet. On va peut-être les attendre, hein. Alors, chose pas mal, j'avais récupéré ceci. J'ai récupéré une grenade, c'est plutôt cool. Des balles de pistolet, il m'en reste 33. Finalement, on n'est plus si bien que ça. Hop. Putain, ils sont relous, t'entends des murmures, là. Ça vient du fond de leur gorge, là, ces enfoirés. J'entends des mecs au-dessus, mais c'est quoi ce délire? Allez, hop, dégage. Ah! Ok, on reload. J'ai fait perdre du temps au mec avec son masque là. Oh, 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 oh. Ah bah il s'en va. Ça l'a saoulé. Il y avait pas, ça l'intéressait pas. Je mets pas assez de coups critiques, hein. Faut vraiment que j'améliore ce pistolet dès que j'ai la possibilité. Vas-y frérot, passe la porte. Tête de ma mère, cette porte c'est la mienne mon pote. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Mais vous êtes fou! HRSPC! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, mais là, les gars, j'ai plus la maîtrise de moi-même, là. Oh putain. Pas vrai! Vous bougez pas, les mecs! Pff, oh là là, Ashley, en plus, elle est dans une mauvaise position. Il faut que je recharge. Ah, je suis pas bien. Ok, il me reste 11 petites balles, on va les... Je sais pas, Ashley, ma gueule. Vas-y, viens, Ashley. Arrête, Ashley, de rester devant comme ça. Il y en a d'autres qui vont tomber, là. C'est quoi, cette connerie? En fait, c'est un spawn. Non. Il y en a encore qui tombent. C'est quoi, ces conneries? Ashley, reste accroupi, ça, tu commences à m'énerver, là. C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Non, mais là, c'est une blague, là. C'est une blague, les gars! Attends, ils viennent à l'infini ou quoi? Ça va, là? T'es calmé, mon pote? J'ai dit t'es calmé ou pas? Bon, là, les gars, c'est une phase pour m'enculer toutes les balles, là, apparemment. J'étais pas au courant. En tout cas, très sympa, la petite tête. Qui reste derrière, j'entends encore. Hein. Ça va retomber, hein, c'est pas possible. Hein.
c'est pas vrai. C'est fini là? J'entends encore en haut. Je sais pas si vous entendez. J'ai l'impression qu'ils viennent à l'infini. Non? J'entends plus, ça s'est calmé. En fait, ils arrivaient à chuchoter quand ils étaient à terre. C'est très étrange. Ok? Cette fois-ci, je vais pas me faire enculer. Ça a l'air bon. Pas évident. Bon, pas évident cette phase. Il y a la manivelle. Super cool. Et j'entends encore du monde. Vous êtes où, les gars? Oh là là, c'est terrible. Alors attendez, bougez pas. Il me reste une balle de snipe perdue ici. J'ai 20 balles de pistolet, c'est pas super cool. Par contre, je me suis pas fait toucher, c'est plutôt sympa. On va recharger le pompe. Voilà, 7 balles. Ça m'embête, ça m'embête. Il y a une technique pour récupérer des munitions entre guillemets gratuites. Quand vous avez plus de balles de pompe, vous ne rechargez pas. Vous le mettez dans l'inventaire, vous allez acheter une amélioration de capacité de fusil à pompe et vous récupérez toutes les balles. Voilà, ça c'était la petite technique du jour, frère. Ok, il n'y a plus personne. Putain, c'était dur, c'était dur. C'était pas facile, hein. Donc, on va activer la manivelle. Qui l'utilise? Vas-y, utilise-la au cas où. Si je me fais violer, là, je serai pas prêt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça baisse ça! D'accord, ok, très bien. Mais oui, bah oui, bah allez! Les gars! Je l'ai vu arriver tel... Oh, hé, les gars, la tête de moi, toi. Je t'aimais bien, cousin. Touche-la pas, je t'ai dit. Et là, discontré, il va se transformer. Attends, quand même. T'as pas mal. Ok. Attends. Oh, putain, ce que j'ai pris ma gueule, j'étais clairement pas prêt. Peut-être le sniper, il est rouge. C'est un rouge. Ok, on va prendre le sniper. J'étais clairement pas prêt. Hop, petite baisse de FPS à chaque reload, hein, vous l'aurez compris. Hasta luego! Allez, ça dégage. Il est là, il me racontait sa vie avec sa petite faux là. Waouh, les dégâts que ça m'a mis! Ok, on va attendre un nouveau soin. Je me reprends une faux comme ça, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Fin de l'aventure pour moi. Ça fait chier de m'être pris ça, putain, j'étais pas prêt là. Ok, un trésor, plutôt cool. 5500 pesetas. Mais au final, c'était de la merde ce qu'on a trouvé. Ok, on va passer par là-haut. Tiens, il y a quelque chose là. Bonjour, messieurs. Juste une jarre. C'est tout? Ah, 15 munitions, je prends ma gueule. Ok, on va aller de l'autre côté. Parce que forcément, s'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a deux manivelles. Ah, putain, non. Ah, c'est terrible ce qui va se passer encore. Comme quoi, une salle, ça peut nous retenir une bonne demi-heure, hein, sérieux. Hein. Oh là là, je suis encore sur la faux, hein, j'ai encore la faux entre les dents. Hein. Je suis pas bien. Je suis clairement pas bien, qu'est-ce que c'est? Oh yes, bébé! J'ai toujours pas utilisé de spray. C'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez kiffé? Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû utiliser ma grenade. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser ma grenade, pour être honnête avec vous. Petite grenade, un flamme, mes couilles là, un flamme. Comment, inflammable. Il y a une manivelle, oui j'ai bégayé. Il s'avère que je bégaye souvent dans des situations critiques comme celle-ci. D'accord. Donc, on va faire un récapitulatif. Je dois aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, il faut que j'actionne les manivelles situées de chaque côté. Et forcément, à mon avis, eh ben, va y avoir. Ah bah oui, 10 munitions de snipe. Il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir de la bagarre. Et donc, qui dit bagarre, bah dit sniper. Allez, ma soeur. J'espère que t'es chaude là. Ok, vas-y viens ma gueule. Bon, bonne nouvelle, ils peuvent pas venir de derrière. Oh mais dépêche-toi putain, tes longues jambes toutes lisses là. Surveille-moi, ouais, vite fait quand même, hein. Ça va aussi. Hein. Quoi? Je t'ai pas. Quoi? Ok. 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 J'ai peur, hein. Ça fait du bruit partout, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu te transformes pas, hein, fais pas le con. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est moi la réussite, bien joué à toi. Reviens parmi nous. Attends, fais pas la con, tu pars où là? Lui, je m'en suis débarrassé relativement vite.
Waouh, ma gueule. 10 balles, c'était pas assez, hein. Elle est où? Voilà, tu la laisses. Ah! Wow! Fais pas le con! Ok, je vais utiliser un spray. Ça y est, le premier spray est utilisé chapitre 2, les amis. Je n'avais point le choix. Tu vas pas te transformer, quand même. Ok. Putain, c'est pas évident, cette phase. Allez, tu dégages. Tu vas où, là? Ok. Ça serait sympa, H, que tu puisses me ramener calmement les munitions. Mais il n'y en a pas, évidemment. Et tu ne peux rien ramener, H, débile comme tu es. Tu n'as pas de poche, t'es sorti en jupe. T'as préféré te faire kidnapper en jupe. Toi, tu m'as saoulé, toi. Ça dégage. Ok. Fini? Fini ou pas? Yes. Allez, bonne chose de faite. Oh putain, fais chier. Attends, crie pas comme ça. Le danger vient d'ailleurs. Tu dois le savoir, Ashley. Fais attention à toi. Ok, c'est bon. On peut te secourir, Ashley. Tout va bien se passer. Allez, viens. Avec ta petite culotte. Petite cochonne que tu es. J'espère que t'as pas tes règles. Hein. Sinon, ça va dévoiler des traces, forcément. Et donc, ça va dire où on est, notre position. Et ça, c'est pas super cool. Est-ce que par hasard, il y aurait pas un petit trésor dans cette pièce si grande, si incroyable? Pas du tout! Putain, les gars, mais foutez des trésors, merde! Ok, il est temps de changer d'arme. Il me reste... Allez, il me reste quand même 21 balles. On va pas faire les rapias. Tu sauras sauter, Ashley, ça va, hein? J'ai pas besoin de te... Incroyable, bien joué à toi. Tu sauras sauter, Ashley, ça va? Pas besoin de... Ouais, incroyable, bien joué à toi. Tu sauras sauter, Ashley, ça va? Pas besoin de... Incroyable, bien joué à toi. Ok, on est parti, les gars. Direction la prochaine salle. C'est plutôt cool! C'est plutôt cool, cette salle nous aura occupé pas mal de temps quand même avec toutes ces conneries. Une bonne vingtaine de minutes. Oh, il y a des gens à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah oui, on a l'impression de changer carrément d'univers, tu sais. Ok. Il y a des dames à l'envers. Tu dois avoir la tête, t'es pas bien. Ça serait bien de trouver une autre herbe. J'ai utilisé mon premier spray, ça m'embête un peu. Yes, un trésor. Ouais, un trésor aussi visible, il doit y avoir bien de la merde dedans, hein. Une grenade, super cool. Tu trouves ça cool, H? Bah pas moi. Ok, on va fouiller ça. Il y a un vendeur. C'est plutôt cool. Par contre... Ah, on peut pas fouiller. RT6, c'est triste, H. Ok. Ah, on peut prendre. Ça, c'est plutôt cool. On va casser ceci. Voilà. Hop, munitions. Oh! Il y en avait deux. Allez, 4 balles de plus. Ils en donnent pas beaucoup, hein. Un petit... Oh, voilà, c'est beau, ça. Yes, papa, jeu de jambes. Ok, on est bon, là. Donc, ça... Hop, on les met comme on peut. Hein. Je vais faire une échelle d'Ambra. Niveau... Ah putain, niveau fusil à pompe, je suis tellement bien. Vous savez, je suis tellement content. Allez, vas-y, H. On rigole pas. Oh, machine à écrire. Oh, attends, on va pas sauvegarder tout de suite. On va pas sauvegarder tout de suite, quand même. Welcome. Bah écoute, merci. Merci, merci. Est-ce que je peux améliorer des petits trucs sympas? J'ai des objets rares. Ouais, mais je peux améliorer le Rain 9. Oh yeah, bébé. Waouh, 2.5 maintenant, on va faire clairement plus mal. Meilleure cadence de tir, donc je vais pouvoir encore plus bombarder. Vitesse de rechargement totalement incroyable, qui passe... Ah non, ça rajoute... Ah non, vitesse de rechargement 1.67, d'accord, moi je suis au maximum, là ça va recharger super vite. Et contenance 12, et ben on passe à 15, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux optimiser d'autre? J'aimerais bien optimiser vite fait le Riot Gun. Mais c'est trop peu. Ah, je gagne presque une seconde sur la vitesse de rechargement. Pas ouf, je vous avoue. Par contre, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Et TPMP, c'est plutôt cool. Enfin, TMP, pardon, TPMP. Excuse-moi, Cyril, je sais qu'il nous regarde. Ok, non, on va vendre ce qu'on a, mine de rien. On a 3 spinels. Ça, c'est sympa, ça. Non, tu ne veux pas? Yes. Bleu velours, ça vaut un petit peu plus cher. C'est plutôt cool aussi. Ah, putain, merde. Ah, fais chier. Allez, là, mes 5. Ça va, te répète pas aussi. Tu commences à me casser les couilles. Bon, je peux vendre le masque, mais pour l'instant, c'est pas méga ouf. On va améliorer le TMP. Un dégât, une balle, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que le pistolet de base fait un dégât. Et vitesse de rechargement, bon, pour l'instant, c'est pas méga ouf, c'est pas méga important. Ok, j'ai pas envie de vous dire nimp, mais ça, cette porte,
Je crois que c'est un mini-jeu. On va sauvegarder, quand même. Parce qu'on est là, on rigole. Mais, voilà, faut pas toujours rigoler. Il me semble que là, il y a un mini... C'est pas d'ailleurs... Est-ce que c'est pas grâce à ça, d'ailleurs, qu'on gagne, les amis... qu'on gagne le Magnum, par hasard, avec l'épreuve, le training. J'ai souvenir que c'était grâce à ça. En tout cas, est-ce que tu pourrais pas, frérot... Mais toi, t'es partout, en fait. Il y a deux secondes, t'étais de l'autre côté. Ça se trouve, c'est que des frères. Ils sont des millions. Entraînement au tir. Règle du jeu. Vous recevrez des prix en marquant plus de 3000 points. Les points bonus seront attribués pour les tirs dans la tête. Une cible Salazar permettant de gagner beaucoup de points peut apparaître auprès, après des coups au but successif. Si vous tirez sur une cible d'Ashley, vous perdez des points. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 3000 points. Vous gagnerez des bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous attendrez toutes les cibles en bois, sauf celle d'Ashley, ou que vous marquerez plus de 4000 points. C'est ça ? C'est ça. Le premier prix de bouchon de bouteille est accompagné d'un socle collector. Eh, c'est incroyable. Bonus et spéciaux. À chaque fois que vous terminez une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. Il y a 4 rangées en tout. Vous avez 4 chances bonus. Omar, vous pouvez voir votre collection. D'accord. D'accord. J'ai maintenant souvenir. Welcome. C'était sympa. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes. Dites-moi d'ailleurs ce qu'on gagne tout à la fin, parce qu'il me semble que c'est en plusieurs fois. Tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées, étranger. On va tenter le tir rapide ou précision ? On va tenter le tir rapide. Je sais pas ce que tu me proposes. Oh, c'est bof, hein. Ouais, on va tenter ça. Vas-y, ma gueule. Ok. Ah, d'accord. En fait, peu importe ce que je choisis. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Oh là là, ça va être évident ça. Oh là là. C'est pas facile. C'est vraiment pas. Oh ! Oh quoi ? Son coup, c'est pas considéré comme la tête ? C'est quoi cette triche ? Temps de reload. Ok, là ça va accélérer là. Là on est pas bien. C'est beau ça. Alors là, c'est pas facile, mais c'est le premier déjà. Il me semble qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est bon ? 25 sur 25, nombre de prix 1, 3000 points, c'est pas super, hein ? On recommence ? Je crois qu'il faut recommencer. On va recommencer. Parce que j'ai gagné qu'un prix. Il me semble qu'il faut faire une rangée. Il y a plusieurs prix, une rangée. Et de toute façon, je vous avais promis une vidéo longue et sympa. Bah les gars, pendant cette petite phase... Ouais. Temps de reload. Bon, là, ça va s'accélérer, les mecs. Là, on déconne pas. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. Ok, les femmes rapportent plus. C'est étrange, choix-t-il. Bon, ça va aussi, toi. Oh! Incroyable! Incroyable move! Combien ça fait, là ? 25 sur 25. Nombre de prix, 2. Faut continuer comme ça jusqu'à la fin des temps ? Bon, on va continuer. Je sais pas c'est combien une rangée. On va continuer. Écoutez, je gagne des prix différents à chaque fois, donc c'est plus cool. On va essayer d'améliorer sa précision par la même phase. Voilà. Pas mal, ça, regardez. Voilà, pas mal, ça. 200 la cochonne. Voilà, temps de reload. Ok, on a utilisé moins de balles. Et en plus, on a été, me semble-t-il, beaucoup plus rapide. Ah, très bien. Ok. Il me semble qu'après, ça va être super chaud. Ok. Wow. Combien, là ? Ça, c'est beau, ça. Quoi ? Ah, faut que je sois encore plus rapide ! Ah, ça va pas être évident. Ça m'énerve ! Bonjour, tavernier ! C'est quoi ces conneries ? Que veux-tu ? Changer d'arme. On va essayer de changer d'arme. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées, étranger. Calme-toi, par contre. On va utiliser un sniper... Oh, il y a un sniper et un pistolet. On va essayer au pistolet, tiens. C'est pas cool, ça. Est-ce que c'est le même jeu ? Ouais, ça a l'air d'être exactement le même. Je préfère... aussi étrange soit-il, j'ai presque l'impression d'être un pistolet.
Joker. Temps de reload. Oh bah putain, j'ai le temps de recharger. Bon, là, les gars. Là. Hop. Oh putain, c'est pas le bon. Yes. Attends, fais pas le con. Putain, fais pas le con. Non ! Mais non ! C'est dur ! Ok, par contre, le score pas mal. Hein. Nombre de prix, 3. C'est super chaud. Ah, mais j'ai une grenade. Je peux vraiment envoyer une grenade ? Ok, on continue. C'est pas fini. Donc le Jackie. Ah bah je fais tout les gars hein, dans la vidéo, hein, dans le let's play. Hein. Très bien. Alors on est mis. Ok. Ok. Ouh, c'est pas évident à jongler comme ça là. Waouh waouh waouh. Waouh 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 waouh, c'est vraiment pas évident. Putain, c'est chaud quand même les mecs, vous avez vu là ce que je donne là, j'envoie tout. Hein. Putain. Et là je sais pas si j'aurai le temps de viser. Ok, on va essayer d'envoyer la greuve, on s'en bat les couilles. Voilà. J'envoie tout, hein, j'envoie tout, je m'en bats totalement les couilles. J'aurais pas cette balle. Oh putain, je suis une machine. Waouh, c'est chaud. Nombre de prix, 4. Mais j'ai l'impression que... Mais attends, il y a combien de prix là? C'est éternel ou quoi? On continue. On continue, je veux ma dose. Hop. Oh putain, d'accord. Ah non, mais c'est différent à chaque fois. Là, par contre, je sais pas si j'aurai le temps, je vous avoue. Ok. C'est tellement long à prendre que... C'est pas facile. Ok. Waouh. Donc c'est différent, hein, vous l'avez vu. Oh. Saloperie. Oh putain, j'aurais pas le temps. Non. Non. Fais chier, fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ok, ferme-la toi. Ferme-la. Fais chier, putain. Fermez-la. Voilà, fermez-la tous. Putain, non. Non, fais pas le temps. Oui. C'est chaud. C'est super chaud! Hein? Je les ai tous eus! Ah, c'est pas considéré, c'est qu'un bonus, la petite tête en fond! Ok, les mecs! Oh, c'est de plus en plus chaud, on continue! On continue, putain! J'ai faim! Allez, dégage! Dégage! Toi aussi! Toi aussi! Et toi aussi, tu te casses! Toi aussi! Toi aussi! Et boum! Au pistolet, j'ai rien à foutre, j'ai pas de respect! Voilà! Pourquoi prendre un snipe? Hein? Dites! Pourquoi prendre un putain de snipe? Ok. Vas-y, balancez tout, là. Putain, balancez tout. Putain, salope. Ok. Voilà. La villageoise, c'est important. Oh, putain, saloperie. Non. C'est pas le moment. Ah, salope. Ah, oh, bah là, c'est mort. Hein. Là, c'est totalement mort. Oh, putain, je l'ai eu. Encore un dernier? Non, j'ai peut-être fini, là, non? Attends, y'en a combien par rangée là? Vas-y, continue, putain! Je veux tabasser! Ok, je crois que ça revient à zéro, hein. Yes! C'est bon ça quand t'arrives pas à toucher un mec. Ok, qu'est-ce qui se passe? Mec. Pas mal ce petit entraînement quand même, hein. Ça permet clairement de savoir où est un petit peu ta visée là. Hop, bon ça. Ça permet de savoir où est ta visée. Bon, là on accélère, on arrête. C'est vrai que...
J'ai réussi à l'avoir, qu'il en soit ainsi. Ah oh, putain, salope. Non. Non. Oh bah là, les gars, j'ai loupé une vague, cousin. Prix 6. Ah putain, écoutez, regardez. On continue, les gars. Si je vais y arriver, celui-là, c'est le plus chaud, c'est le dernier. Voilà. Par contre, la hacherie qui sort en plein milieu, c'est genre vraiment pas ouf. Ok. J'ai pas loupé les bonus. Attends, parce que là, il va y avoir un hacherie. Yes. Oh non, bah je l'ai loupé. Ah putain. Ah c'est chaud. Ah bah il n'y a pas plus de prix, d'accord, ok, j'en ai 6 sur 6, j'en ai pas gagné. Bon bah je crois qu'on a terminé pour ce mini-jeu. Plutôt cool, plutôt sympa. Que veux-tu? Bah je veux arrêter. Je vais arrêter. Vous avez gagné 6 bouchons de bouteille. La première rangée est terminée. C'est plutôt cool. 15 000 pesetas. Et ça, c'est encore plus cool. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes. Ok. D'accord. Mais alors, c'est où qu'on voit ces récompenses, là? Ashley, c'est où? T'as été impressionné par ce que j'ai fait, Ashley? Attends. Dans ce jeu, ok. Ouais, j'ai pas compris. Tu dois aller parler à ce type. J'ai eu tous les bouchons, là, hein. C'est ça, hein. Rassurez-moi les gars, il y avait plusieurs mini-jeux comme ça, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Hein. Attendez, c'est dans quoi? Peut-être clé et trésor, non? Peut-être cool. Yes! Ok, examinez. C'était bien ça. C'était bien ça, d'accord. Donc j'ai les 6 premiers, il en reste 6. Oh, oui, d'accord, ok, il reste 3 rangées à faire. Pas mal ça. Pas mal. Donc voilà, c'était des petits bonus. C'était plutôt cool pour un Resident Evil de l'intégrer directement dans le jeu et non dans le menu en guise de bonus. D'accord, il tire, c'est plutôt cool. Ah, Ada Wong. Ok, putain, c'est nul. Ok, on est parti les mecs, on continue, on sauvegarde. Et avec mes 15 000 pesetas, est-ce que par hasard je ne vais pas pouvoir améliorer ce que je souhaitais la dernière fois? Je ne sais pas. J'en suis à 31 sauvegardes. On est pas mal quand même. Attendez, bougez pas. Frérot, dis-moi vite, Def, rappelle-moi, j'ai de très vagues souvenirs. Utiliser. J'ai assez, 19 000, ça devrait être assez, non? Ouais, j'ai assez. Et fusil. J'ai pas amélioré la contenance. Allez, une seconde pour recharger la TMP, c'est quand même plutôt worse. On va prendre la TMP. On l'utilise pas beaucoup, c'est vrai, mais à mon avis, on va pas tarder à l'utiliser encore plus. Je re-sauvegarde. Allez, hop, c'est gratuit, quitte à sauvegarder énormément de fois. Alors attendez, faut que je me souvienne de ce qui va se passer maintenant, et là, on n'est pas bien. Et là, on est... Oh, il y a un trésor. Mais je l'ai ramassé. Oh, c'est connerie. Disent que je l'ai pas ramassé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ouais, mais je l'ai ramassé. Mais pourquoi ils disent que je l'ai pas ramassé? C'est incroyable. Pourquoi vous dites ça, messieurs? Ah, attendez, c'est peut-être là-haut. Tiens donc, j'avais pas fait gaffe à ça. Effectivement, il y a quelque chose. Ouais, ok. De toute évidence, il y a bien quelque chose. On dirait quoi? On dirait qu'on peut uniquement l'ouvrir de l'autre côté, très bien. Qu'il en soit ainsi. Je peux pas sauter par là pour prendre un raccourci, putain. Attendez. Il y a rien à faire avec les statues. Bon bah écoutez, je pense que c'est plus tard. Bon, je disais, parce qu'avec toutes ces conneries, je m'en suis totalement perdu. Et on peut sauvegarder. Ah, faut que je passe à droite. Ah oui, d'accord, et ça me ramène derrière. Ça va être très long. Ça va être très long aussi, cette phase-là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. Et on re-sauvegarde. C'est gratuit. On s'en bat les couilles. J'ai niqué une balle de pistolet pour rien. C'est cadeau. Eh, les gars, c'est moi qui régale. Allez, à bientôt pour l'épisode 10. Ciao tout le monde.